Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo que j'ai réalisée comme ça à la va-vite. Donc je tenais à vous souhaiter à tous une bonne année. C'est vrai que depuis j'ai fait plus aucune vidéo. Je stream plus trop aussi pour la simple et bonne raison que je farm comme un gogol pour pas être vulgaire ou tout ce que vous voulez. Je farm beaucoup de Diablo 3 en attente de l'extension qui sortira le 25 mars, qui s'appellera Reaper of Souls. Non, je rigole. Donc, vous connaissez mon anglais, je suis une merde. Donc, bref, en fait, je voulais faire cette petite vidéo parce que, genre, voilà, on s'est tapé un délire avec Toons. Donc, déjà, grosse dédicace à Toons qui était dans la vidéo. Grosse dédicace à The Artist et à Natsu. Donc en fait j'ai voulu faire cette petite vidéo. Elle sera en 720p pour cette fois, pour la simple et bonne raison que le jeu va laguer de ouf, va même planter en fin de vidéo un peu plus tard, mais je n'ai pas record parce que c'était trop en fait. On a fait monter le jeu à, je crois, à 3000 ms ou je sais pas quoi, 3000 de ping ou un truc comme ça. En fait je vous explique. Alors on est acte 1 en PM10. Et ce que Artist a fait avec Natsu, c'est pas quelque chose qui a été inventé ou quoi que ce soit, quoi, qui a été inventé par nous-mêmes. C'est quelque chose que pas mal de gens font en fait. C'est que en fait, il est allé travailler la crypte au champ des cauchemars, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire travailler la crypte? C'est aller faire crasher tous les mobs qui se trouvent dans la crypte. Vous savez les sortes de mobs là qui crachent 5 ou 6 mobs à chaque fois à la seconde là quand on les tape un petit peu. Donc ils sont allés préparer un petit peu cette crypte pour que dès qu'on rentre dedans, ben, ça soit vraiment le bordel. Et ça va être le cas en fait. Donc c'était juste un petit délire vu qu'on était en train de farmer. Là pour info, pour toutes les personnes qui désiraient le savoir, je crois que pas buffé en fait mon perso, je fais du 270k. Et buffé avec tout le bordel en coup de. À Guru de Berserker et tout le truc, je crois que je suis monté à 540k la dernière fois quand je regarde mes stats et tout. Là pour le coup, j'ai mis un anneau qu'on farm avec les boss dont je me souviens plus le nom, encore une fois, parce qu'il y a tellement de trucs à faire sur ce jeu que j'en perds la tête. Donc je frisais déjà là. C'est pas aussi à cause du jeu, c'est vrai que j'étais en train d'installer la bêta de Skyrim, la bêta online, là, The Elder Scroll Online. Donc d'ailleurs, grosse dédicace aussi à Xeleku qui m'a filé une clé. Merci à toi, le show, ça fait vraiment plaisir. On testera ça ensemble, mais on n'est pas là pour parler de là. Donc on rentre dans cette fameuse crypte, et là vous allez voir que ça va être le bordel. On rentre tranquille, donc on était deux barbares, un sorcier et un moine. Je me rappelle plus les noms des mobs là qui crashent là. Faudrait que j'arrive à les retrouver. De toute façon, ceux qui jouent à Diablo savent de quoi je veux parler. Et pour tous les autres, en fait, vous allez voir que ça va être le why. Ils sont là. Ils s'appellent Horreur des Goblins. Non, c'était pas eux. Je pense pas que ce soit eux. Bon, bref, vous allez voir que ça va être vraiment un truc de fou. Voilà, c'était juste un petit délire qu'on s'est tapé avec Toons. Je pense que Toons aussi va la mettre sur sa chaîne. Je voulais vous tenir un petit peu au courant de l'actu. En fait, c'est pas que je suis mort ou quoi que ce soit. C'est vrai que là, j'étais en vacances pendant une semaine. Je vais reprendre le taf et j'ai voulu farmer. Voilà, regardez-moi ça, quoi. Donc, c'est vraiment une dinguerie le truc. C'est. Ils ont bien farmé, quoi. Ils ont bien travaillé la crypte parce que regardez, j'arrive plus à jouer en fait. Tellement le jeu crash. C'est un truc de malade. Donc, j'arrive quand même un petit peu à m'en sortir. C'est pour ça que j'ai voulu record en 720p. Je pense qu'à 1080 le jeu aurait carrément planté pour ma part. Je suis pas un PC de ouf. Et déjà je voyais que là c'était un truc de malade. Donc vous voyez qu'ils ont quand même tous les trois des forts DPS, quoi. Ils tapent vraiment fort les trois autres aussi. Et ça va en 2-2. En 2-2 en PM10, ça s'est fait en un clin d'œil. Bon après c'est des mobs blancs. Sur les élites c'est pas la même. Les élites sont quand même assez durs à tomber, mais ils tombent quand même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur le truc. Là, vraiment, on s'est tapé un gros délire. On fait ça H24 en ce moment. Moi, je crois que je suis bientôt 64. Je crois que je vais up, je pense aussi, dans cette vidéo. Je sais pas si c'est dans cette vidéo que je vais up. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que je donne plus signe de vie, ni sur l'e-stream, ni sur ma chaîne YouTube. Je suis pas décédé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en ce moment, je farme beaucoup. Il n'y a aucun jeu qui me donne réellement envie de jouer à part Diablo. Même si c'est voilà, en ce moment c'est beaucoup de farm, on se prépare pour l'extension. L'hôtel des ventes va être enlevé, donc c'est vrai que là il va y avoir beaucoup de changements. Pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, on peut déjà tester l'extension
de Diablo 3 Reaper of Souls. Mais en fait, vous n'avez pas l'acte 5 ni le mode aventure. Vous pouvez juste tester le jeu en fait pour tester les loot 2.0 comme ils disent. Il vous suffit pour cela d'aller sur votre compte Battle.net Diablo 3, puis ensuite d'aller tout en bas et vous avez Royaume de test. Donc le Royaume de test, pour ceux qui jouent, je pense que vous le connaissez. Mais bon, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, vous pouvez déjà jouer sur la version Reaper of Souls. Bien sûr, vous aurez tous les menus en anglais, vous aurez tout le jeu, c'est une version bêta en fait. Vous n'aurez pas le croisé, malheureusement, je tiens à le dire. C'est juste en fait pour tester les loots. Moi, j'ai recréé un barbare pour tester vraiment les loots et tout ça. Et c'est vrai que vous le sentez, quoi. C'est juste un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Je pèse mes mots. Au niveau des loots, ça se passe pareil que pour les personnes qui jouaient sur console. Peut-être si vous connaissez un petit peu. Pour toutes les personnes qui jouent un petit peu sur 360 ou sur PS3. C'est vrai que ça se passe pareil un petit peu au niveau de loot. J'ai l'impression que le jeu aussi graphiquement a été un petit peu revu. Il est un peu plus affiné. Il y a pas mal de choses qui ont changé, pas mal de skins qui vont apparaître. Bref, je suis pas là pour vous parler d'extension, je pense qu'on en parlera pendant longtemps vu que je pense que je vais le farmer. Mais là, c'est juste vraiment pour vous parler un petit peu de moi, ce que je fais et tout ça. Ouais, il n'y a pas beaucoup de jeux qui me donnent envie, je vais pas vous mentir. Là, j'ai un petit peu fait toutes les grosses sorties. Mis à part 2-3 trucs, là c'est vrai qu'il y avait The Walking Dead de Telltale Game là, qui est sorti là. Je me suis pas senti trop chaud de le faire pour la simple et bonne raison que les Walking Dead j'ai aimé, mais voilà, je suis plus chaud sur The Wolf Among Us. Plus X fait le truc dessus, donc je pense que vous n'êtes pas perdu. Moi voilà, je suis là. Je suis sur Diablo 3 si vous me cherchez. D'ailleurs, j'ajoute tout le monde. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ajoute tout le monde sur ce jeu. Si vous êtes Paragon 1, 2, 6, 10, etc. Si vous jouez et que vous farmez sur le jeu, vous aussi, rejoignez-nous. On est plusieurs, on est pas mal. On se fait souvent des petites games. On s'ajoute sur Skype, on se fait des petits délires. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Je laisserai mon battle log. Mon battle tag, excusez-moi. Je laisserai mon battle tag dans la description. De toute façon, c'est Paranoïaque 2608. Donc voilà, vous le savez, de toute façon, il y a tout qui sera dans la description. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'ajouts ces derniers temps du fait que je joue à Diablo 3. J'ai fait pas mal de connaissances aussi. D'où Natsu, que je venais à peine de rencontrer. Natsu et The Archis. Vraiment des personnes sympas. Et c'est vrai que c'est rare sur des jeux que. C'est rare comment dire, de communiquer, d'être tranquille, de délirer avec des gens qu'on connaît à peine. Franchement, les gens sont vraiment très ouverts. Grosse dédicace aussi à Rose de Guerre, avec qui je joue pas mal en ce moment aussi. C'est vraiment des personnes qu'on voit peu sur pas mal de jeux en multi. Du genre, essayer de vous faire des. Pas des potes, parce que ça serait trop de dire des potes, mais de vous faire des connaissances et de délirer avec des gens. Et c'est vrai que sur un jeu comme Diablo. Franchement, ça fait vraiment plaisir, je le disais tout à l'heure à The Archist, c'est vraiment vraiment plaisir de voir des gens qu'on peut ajouter, qu'on peut délirer ensemble, parler tranquillement de tout, de rien, du jeu, et de farmer tranquille avec des petites musiques en fond. D'ailleurs, pour le coup, pour cette vidéo, je pense que je mettrai des musiques vu que vous l'aurez compris, le son du jeu est très 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 bas. J'avais pas fait les réglages. J'ai voulu lancer vraiment comme ça à la dernière seconde. Regardez-moi que tout s'est pas à chaque fois. C'est juste un truc de fou. Donc c'était la petite crypte de l'acte 1. Alors franchement, voilà, je vous la conseille à tous, hein, si vous voulez XP. C'est vrai que dans cette crypte, c'est juste un truc de malade. Et voilà, d'ailleurs, le niveau 64. Ça va très 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 vite. Bien sûr, je vous conseille à chaque fois si vous l'avez farm, les Humber Boss, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les Uber Boss ou Humber Boss, excusez-moi si je me trompe. C'est l'anneau que j'ai eu pour monter plus vite. En XP, c'est cette fameuse boule de météorite qui me fait crash à chaque fois à l'anneau, ça me fait délirer pour le coup. Et voilà, quoi vous dire de plus, je pense avoir fait le tour. Je vais pas parler trop 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 non plus de Reaper of Souls, franchement je l'attends, voilà, je l'attends comme tout le monde. Je pense que là ça y est, je revois pas mal de gens jouer sur le jeu, même Maroquino, dédicace à toi mon frère. Dédicace à Maro qui s'est mis dedans et commence vraiment à faire du très 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 lourd, à monter un sorcier. Il commence à faire vraiment mal avec son sorcier. En 3-4 jours, il est passé de 0 à level 60 par Paragon 15, je crois. Donc il s'est mis vraiment vraiment dedans.
Ce que je tiens à vous dire sur ce jeu, pour toutes les personnes qui jouaient, qui auraient plus remis les pieds dessus, l'extension, en fait, il n'y aura plus l'hôtel des ventes qui sera enlevé le 18 mars 2014. Donc, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, l'hôtel de vente sera enlevé, d'où les fours, les fours, n'importe quoi, frère. D'où les loots qui vont être très 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 forts. Il va y avoir vraiment pas mal de loots, vraiment énorme. Quand je vois déjà sur le royaume de test, les mecs lâcher des fureurs retentissantes avec plus de 2500 de DPS, et encore ça c'est de la merde, hein. Vous voyez des trucs de malade. Franchement, je vous jure que tous nos stuff là, tous les mecs qui ont mis je sais pas combien de millions, je sais pas combien de milliards dans les stuff, ça va valoir plus rien parce que aussi il y aura 10 levels de plus. Donc on passera de 60 à 70, un nouvel acte, un nouveau personnage qui se nomme le Croisé. Donc vraiment voilà, il va avoir vraiment pas mal de choses. Le mode aventure qui a été rajouté, un nouveau mode aussi, nouveau mode, comment dire, un nouveau degré de, putain, je perds mes mots. Franchement, je perds mes mots là, je sais plus trop en fait. Ah, il y aura quelque chose qui sera plus dur que l'Armageddon, voilà. Comme ça, vous aurez compris. Il y aura vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc comme je le dis moi, jusqu'à présent, à mes collègues, j'ai l'impression que Diablo 3, là, ça fait 2 ans qu'il est sorti. En mai, je crois que ça fera 2 ans. J'ai l'impression que c'était juste une bêta. Parce que quand on voit tout ce qui a été fait pour cette extension, c'est vraiment un truc de malade. J'ai l'impression que là, ça va être vraiment le jeu. Là, ça y est, ça va sortir. Donc voilà, Blizzard a toujours le don de nous faire... De nous faire retourner sur leur jeu geeké pendant des heures. Quand je vois des mecs qui sont encore sur WoW, d'ailleurs que peut-être je vais tester, je vois des mecs encore sur StarCraft, je vois des mecs sur Hearthstone, le nouveau jeu de cartes de Blizzard, et sur Hero of Storm, le prochain MOBA de Blizzard. Je vois que les mecs ils ont carrément tout compris, même si ils ont vu, hein, ils ont vu que pas mal de gens désertaient le jeu, pas mal de gens commencent à aussi en revenir. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si ça bug beaucoup, les gars, c'est parce que je frisais énormément. Franchement, du fait que j'installe le jeu, mon PC n'aime pas trop que j'installe des jeux en même temps que je record et que je joue tout simplement à un autre jeu en même temps sur le PC. Et j'ai pris quand même le risque de record. Donc, en plus de tous les packs de mobs et tout ça, c'est vrai que ça frisait pas mal. Là, je le revois quand j'enregistre la voix par-dessus. Donc voilà, un petit commentary, tranquillou pour vous, c'était la bonne année à tous, ça fait vraiment plaisir. Donc on approche des 10 000 abonnés, je voulais aussi vous parler d'une chose, c'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup, je pense faire un petit truc sur une FAQ. Donc pas mal de gens m'ont demandé pour les 10 000 abonnés, vu qu'on s'y rapproche, dans 300 ou 400 abonnés j'arrive aux 10 000, faire une FAQ. Donc là c'est vraiment très très important, je vais essayer de faire tourner un maximum cette vidéo pour que un max de personnes la voient. Franchement, une vidéo FAQ, je pense que ça serait bien parce que je n'en ai jamais fait. Ça serait bien pour tous, pour les nouveaux, les anciens, pour apprendre à me connaître un peu plus. Je stream toujours autant sur Twitch ou sur Dailymotion. Donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est vrai que vous sur YouTube, vous ne voyez plus énormément. Mais sur Twitch ou sur Dailymotion, je stream énormément. Mais je fais des lives de 5-6 heures. Je reprends des horaires de normaux, on va dire. Donc je pourrais recommencer à streamer de jour parce que c'est vrai que je streamais souvent entre minuit et 6 h du matin. Donc c'était pas trop trop le c'était pas trop le délire pour certains. C'est vrai que maintenant il y a l'école qui a repris et tout ça, et même le taf. Donc tout va reprendre normalement. Donc je vous laisserai tout. Les streams, c'est vrai que je l'ai dit, je le redis, je préfère les streams à YouTube. Ça fait déjà presque, ça va faire presque 6 ou 7 mois que je stream. C'est quelque chose que je fais. Parce que franchement, je trouve qu'il y a 100 fois plus de comment dire d'interaction entre vous et moi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On peut plus communiquer, et tout ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, et c'est ce que pourquoi je fais des vidéos. C'est juste vraiment pour partager, qu'on soit là, qu'on délire tous ensemble. Et d'ailleurs, on vient de finir la crypte. Je vais faire aussi des giveaways sur le jeu. Je pense pas donner là. D'ailleurs, j'avais pas mal de légendaires. Non. Oh putain, je perds mes mots, ouais, c'est bon, ça me saoule. Donc je vais faire pas mal de trucs. Le FAQ pour les 10 000 abonnés. Laissez-moi vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à commencer maintenant. Je ferai une vidéo pour en parler. Mais n'hésitez pas à me laisser vos questions dans cette vidéo. Et aussi les giveaways que je ferai en live. Donc je mets tout dans l'inscription. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Vous êtes là, les oiseaux, c'est parano. On se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, peace.